Bonsoir mesdames et messieurs, très bon début de semaine sur nos antennes. Bienvenue à cette grande édition du journal dont nous vous proposons de suivre d'abord les grands titres. Les léopards de la République démocratique du Congo négocient leur qualification ce lundi 25 janvier à Yaoundé face au MENA du Niger pour la dernière journée de phase de poule dans le groupe B au Chan Cameroun 2020. 2 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir, les bilans sont mitigés selon les Kinois interrogés par nos reporters. Les Congolais ne ressentent pas un changement côté social. Célébration de la journée mondiale de l'éducation, cette journée se déroule dans un contexte particulier. Les écoles et universités sont fermées dans plusieurs pays à cause du Covid-19. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage le week-end dernier à la Cour de cassation à La Gombe, à l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, Timothée Moukoutou Kiala, qui a été aussi décoré à titre posthume comme grand cordon dans l'ordre national Kabila Lumumba. Suivez ce reportage qui porte la signature de la presse présidentielle. Cette cérémonie funéraire s'est déroulée ce samedi 23 janvier dans les installations de la Cour de cassation dans la commune de La Gombe des suites du décès de l'auditeur général des forces armées de la RDC, Timothée Moukoutou Kiala. Affecté par la perte de ses hauts magistrats militaires, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan des réformes judiciaires au pays, est venu lui rendre le dernier hommage avant la levée du corps pour l'inhumation de l'illustre disparu. En compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État, s'est incliné devant la dépouille de feu l'auditeur général. Le couple présidentiel a ensuite apporté le réconfort à l'épouse et aux enfants du défunt. Au terme d'une ordonnance, le président de la République a nommé à titre posthume le lieutenant-général Timothée Moukoutou au grade de général d'armée. Feu l'auditeur général des FRDC a été aussi admis dans l'ordre national Kabila Lumumba en qualité de grand cordon. Après la lecture de l'ordonnance y afférent par le chancelier des ordres nationaux, le chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, a procédé personnellement à la décoration de feu le général d'armée Timothée Moukoutou Kiala, élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre national. Bien auparavant, la haute cour militaire était en audience solennelle d'adieu et d'hommage, au cours de laquelle cette haute instance judiciaire a pris acte du décès du général d'armée Timothée Moukoutou, auditeur général des FRDC, qui laisse une veuve et 5 orphelins. Assis parmi l'assistance, le couple présidentiel a assisté aux obsèques jusqu'à la levée du corps de feu, l'auditeur général des FRDC, pour son inhumation. Félix Antoine Tshisekedi a totalisé 2 ans au pouvoir. Quel bilan peut-on faire de son parcours? L'émission a reçu Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale de la Ligue des démocrates congolais, Patricia Bassoa-Mwanda. Bon, le bilan, on aurait voulu que les choses aillent un petit peu plus vite, vu la situation déplorable du peuple congolais. Mais il y a quand même des avancées. Quand nous voyons par exemple tout ce qui est état de droit, les choses avancent quand même. On n'accepte plus
de dilapider les ressources de l'État. Les gens sont arrêtés, sanctionnés. Donc il y a ça. Et puis bon, il y a cas un, on essaye d'installer la gratuité dans l'enseignement, bien que la pandémie de la Covid est venue perturber un peu les choses. Voilà un peu, c'est ça qu'on peut dire. Les choses sont un peu de changer. Et puis même maintenant, les gens peuvent manifester. Et nous n'entendons pas qu'il y a eu tel nombre de morts. Donc, il y a ça, quoi, qui a un peu changé. Mais on aurait voulu un petit peu plus, hein, que les choses aillent un petit peu plus vite. Et dans ce cas-là, moi, je pense, pour que les choses puissent aller un petit peu plus vite, il faut mettre des personnes compétentes. Il faut mettre des personnes... vraiment à la place qu'il faut. Nous voyons que on prend trop pour réaliser quelque chose, ça prend trop de temps. On voit par exemple l'Union Sacrée, comme nous sommes là maintenant dans l'Union Sacrée, ça a pris trop de temps. Regardez par exemple aux États-Unis, Joe Biden a prêté serment. Dès qu'il a prêté serment, allez, les choses ont commencé, il a déjà pris des décisions. C'est ça qu'on veut à la République démocratique du Congo. Parce que le peuple souffre beaucoup et le peuple attend beaucoup de ce gouvernement, du président. Il attend vraiment beaucoup parce que les choses ne peuvent plus continuer comme avant. Et toujours dans le même registre, Taurine Mbongo, Hugues Songuilai et José Moussangana ont interrogé les Quinois sur le désordre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Selon les Quinois interrogés par nos reporters, les bilans sont négatifs et ils proposent aussi des pistes de solutions pour sortir le pays de cette crise. Suivez. Deux ans après l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les Quinois estiment que la coalition FCC Cash a pondu un monstre, d'autant plus que le gouvernement, issu de cet arrangement, connaît un bilan largement négatif. Quand il était arrivé au pouvoir, il était coincé. C'est comme si tu es dans la maison où la porte est fermée, tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas avoir des visiteurs. Quand il a décidé de s'acquitter, c'est là où nous, maintenant, on peut dire qu'on peut lui donner la chance de travailler. Parce qu'avant, il ne travaillait pas. Il n'y avait rien de marché, on a créé le gouvernement, rien n'a changé. Le pays marchait comme avant, c'est comme s'il n'y avait pas un président. Mais maintenant, comme il s'est divorcé avec ses accords, avec le groupement là où il avait signé ses accords, maintenant, on lui donne la chance. Ce que moi, je peux dire, ou je peux souhaiter, que les présidents regardent des secteurs comme social, la sécurité, l'éducation. À en croire les uns les autres, pour les trois ans restants de ce quinquennat, l'accent doit être mis sur l'épanouissement du peuple congolais. On a déjà président Salaki à salé le roté. Les bilans sont négatifs pendant ces deux ans. Nous espérons que les trois ans qui restent, il est temps de pouvoir faire de bonnes choses. Les aspirations de tous les Congolais, ou presque, convergent vers le futur gouvernement qui désormais va partager la même vision que le chef de l'État en mettant le peuple au centre de tout. Et dans le cadre de consultations initiées par l'informateur en vue d'identifier la majorité parlementaire, Bati Lukwebo Modeste a reçu 42 élus du PPRD, 12 de ABCD, 12 de la TIC ainsi que d'autres qui ont confirmé leur adhésion à l'Union sacrée pour la nation. Au troisième jour des consultations, l'informateur Modeste Bahati Lukwebo a échangé avec les membres du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Ils sont venus affirmer leur adhésion à l'Union sacrée de la Nation. 42 députés jusque-là décident d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les représentants du PPRD, Jean-Charles Okoto, Godard Motemona, Jean-Pierre Liaou, Alphonse Ngoïka Sanji et Guy Mafuta Kabongo, leur adhésion en ce terme. Chacun de nous a adhéré individuellement et librement. Donc ce n'est pas sous ce label-là. Et le chef de l'État a été clair lors de la dernière rencontre. L'Union sacrée n'est pas un parti politique.
C'est une vision, c'est une dynamique qui s'est mise en place. Il n'a pas été question de quitter nos partis pour adhérer à un autre. À ce stade, nous sommes à 42 élus, mais la particularité, c'est que c'est une liste qui est évolutive. Même là où je vous parle, nous avons reçu des appels d'autres collègues députés qui acceptent d'adhérer et certainement que dès demain, nous allons aller un peu plus au-delà. L'Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent, ABCE, partage la vision du chef de l'État au travers l'Union sacrée de la Nation. Avec 12 députés nationaux, Jean-Claude Baende a reçu le mandat d'Athénas Matenda-Kelou pour déposer leur déclaration d'adhésion à l'Union sacrée auprès de l'informateur Modesto Baatsilukwebo. L'ABCE adhère à l'Union sacrée avec comme condition l'amélioration des vies des Congolais, priorité du chef de l'État. Tous nos députés sont d'avis que notre pays traverse un moment difficile de son histoire. La population n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois et le social du Congolais laisse à désirer. Et l'ABCE, en tant qu'un parti qui prône la refondation de la République, ne peut que contribuer à cet élan lancé par le chef de l'État. L'Alliance pour la transformation intégrale du Congo Atik adhère à l'Union sacrée de la Nation. Les honorables Jean-Paul Nemoyato, Modero Simba et Tunda estiment que leur vision épouse celle de l'Union sacrée qui met en exergue la défense des valeurs républicaines basées sur l'État et la réhabilitation de l'autorité de l'État. Ils sont au nombre de 26 députés nationaux regroupés au sein du C26. Ce n'est ni un parti politique, encore moins un regroupement politique, mais des parlementaires de 26 provinces qui recherchent l'amélioration du social des Congolais et le changement. Ils sont venus rencontrer l'informateur Modesto Baati pour lui exprimer leur souhait d'accompagner l'Union sacrée de la Nation afin d'aboutir au vrai changement. Le RASOP aussi répond favorablement à l'Union sacrée de la Nation. L'honorable Emery Okunji a échangé avec l'informateur Modesto Baati. Pour lui, il n'y faut pas hésiter avant d'adhérer à cette vision du chef de l'État qui se veut une mobilisation d'énergie pour relever les défis du développement de la République démocratique du Congo. Nous vous proposons de suivre la déclaration de députés provinciaux de la Tchouapa. Ils sont au micro de Solon Choukwale Pembele. Nous, filles et fils de la Tchouapa, toutes tendances confondues, déclarons ce qui suit. 1. Notre soutien à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision dont nous attendons avec impatience la matérialisation avec ses actions concrètes pour le bien-être et le bonheur du peuple congolais. 2. Nous réitérons notre soutien indéfectible à l'endroit de notre leader, l'unificateur, le sénateur Guy Luando Mboyo, pour sa vision du développement intégral et l'épanouissement de tous avec les actions philanthropiques et sociales visibles dans la province, dont, entre autres, la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale et son équipement, la construction du stade municipal de Boende et tant d'autres actions qui se poursuivent. L'honorable sénateur Guy Luando Mboyo est une fierté pour la Tchouapa. 3. Encourageons tous les enfants de la Tchouapa à rester unis comme un seul homme pour mener des actions favorisant le développement de notre province. 4. À propos de tous les malentendus au niveau de notre province, nous dénonçons avec la dernière énergie ceux qui citent en mal le nom de l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, car il n'est ni de près ni de loin associé à cela. Il reste respectueux des textes et aux lois de la République. 5. Lançons un appel patriotique à l'unité de tous les enfants de la Tchouapa, toutes tendances confondues, à privilégier ce qui est essentiel, à savoir l'amélioration des conditions de vie de nos populations, car nous n'avons qu'un seul ennemi commun qui est la pauvreté. La Tchouapa unie égale à l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Menacé d'être démis de ses fonctions, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est face à deux réalités. Les uns pensent qu'il ne doit pas répondre à l'invitation du bureau d'âge parce qu'il a été investi par un bureau définitif. Les autres estiment avec ou pas sa présence au palais du peuple. Ilunga Ilunkamba doit démissionner pour éviter le ridicule. Qu'en est-il exactement de cette page d'actualité? Tentative de réponse avec Eric Izami.
Deux groupes mentent et chacun défend sa cause. Le premier estime que le premier ministre Ilunga Ilunkamba, menacé par une motion de censure, sera démis de ses fonctions avec ou sans sa présence à l'Assemblée nationale mardi 26 janvier 2021. Au nombre de ces élus du peuple se trouve être Tony Mwaba, qui pense qu'après 48 heures du dépôt de l'invitation du premier ministre, chef du gouvernement, celui-ci devrait, pour éviter les ridicules, démissionner. Le deuxième groupe, lui, pense tout le contraire. Il estime que Ilunga Ilunkamba, investi Premier ministre à l'Assemblée nationale, le fait remonte à l'époque où la chambre basse du Parlement congolais avait été dirigée par un bureau définitif. Ainsi, le chef du gouvernement sommé d'être démis n'est redevable que devant un autre bureau définitif, mais pas un bureau d'âge réputé provisoire. Une question. Qui a reconnu au bureau Mboso Kodiampwanga les prérogatives de convoquer le Premier ministre et éventuellement le deux maîtres? La réponse se trouve dans l'arrêt pris récemment par la Cour constitutionnelle. À propos, les élus députés nationaux FCC disent qu'il aurait été souhaitable de privilégier l'élection du bureau définitif en remplacement du bureau Mabunda Lyoko Mudiaye, ensuite activer la motion de censure contre le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba et non vouloir l'instauration du vocable état de droit, mais sans respecter la procédure. Dans l'autre camp, on rétorque que la procédure suivie est avalisée par la Cour constitutionnelle, donc non entachée d'illégalité. Par ailleurs, le tribunal militaire de garnison de Kikwit, présidé par le capitaine Mwanantsele Mouchete, bienvenu, a rendu le mardi 20 janvier 2021 son verdict à l'endroit de 6 prévenus poursuivis par le ministère public pour vol à main armée. Il a condamné à la peine de mort un militaire des FRDC et ses deux adeptes et a acquitté 3 prévenus civils. Sylvain Kapombo-Bosengele pour la suite. Les faits dans cette affaire remontent au 15 janvier 2021 à Kikwit, à 20h, lorsque deux prévenus militaires cagoulés, munis d'une arme de guerre de type AK et deux autres en civil, s'étaient rendus dans la résidence des opérateurs économiques expatriés, des sujets indiens, qui sont aussi propriétaires de la société ALS. Ces malfrats avaient réussi à maîtriser toutes les personnes présentes en ces lieux avant d'emporter avec eux une somme de 86 millions de francs congolais et 14 000 dollars américains de ces Indiens, à en croire le ministère public. Les tribunaux militaires de garnison de Kikwit, qui avaient aussi effectué une descente sur les lieux du crime, a pu identifier ces criminels grâce à la vidéo prise par les caméras de surveillance de la société ALS. Dans sa décision finale, le TMG Kikwit, sous la présidence du capitaine magistrat Bienvenu Mwanantsele Mouchete, a déclaré coupable le sergent Georges Pindoukela du bataillon quartier général de l'état-major général et ses deux adeptes Djamba Kasongo Jani et Papi Kalala, les plus chargés par les victimes. Il les a tous condamnés à la peine de mort et a prononcé l'acquittement pour les autres prévenus civils. Parlons d'autre chose maintenant dans ce journal. Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid-19 et les thèmes retenus pour la célébration de la Journée mondiale de l'éducation. Cette célébration a lieu dans un contexte particulier où dans plusieurs pays, les écoles, les universités et autres établissements d'enseignement sont fermés. Pour Lidor Ngaziami. L'éducation est un droit humain, un bien public et une responsabilité politique. Selon l'UNESCO, 258 millions d'enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l'école. 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire ni effectuer des calculs simples. Moins de 40% des filles en Afrique subsaharienne achèvent leur scolarité secondaire et près de 4 millions d'enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés. Ceci constitue une atteinte à leur droit à l'éducation et cela est inacceptable. Relancer et redynamiser l'éducation pour la prévention Covid-19 est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'éducation. C'est le moment de faire progresser l'éducation en intensifiant la collaboration et la solidarité internationale pour placer l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie au centre du processus de relèvement. La Covid-19 a entraîné à l'échelle mondiale une perturbation de l'apprentissage d'une ampleur et d'une gravité sans précédent.
la fermeture des écoles, des universités et autres établissements d'enseignement, ainsi que l'interruption de nombreux programmes d'alphabétisation et d'apprentissage tout au long de la vie, ont bouleversé la vie de 1,6 milliard d'apprenants dans plus de 190 pays. Le droit à l'éducation est inscrit dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui exige que l'enseignement soit gratuit et obligatoire. Il est aussi repris dans l'objectif de développement durable numéro 4 qui veut assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Et nous allons maintenant prendre le sport dans ce journal. La RDC va jouer contre le Niger tout à l'heure. C'est d'ailleurs dans quelques minutes. Vous le savez, c'est la troisième journée de phase de poule du groupe B du championnat national d'Afrique CHAN Cameroun 2021. Nous allons prendre l'entraîneur, c'est le sélectionneur principal des Léopards, Jean-Florent Ibengue, qui est en direct. Nous allons le prendre tout à l'heure. Bonsoir, coach Florent Ibengue. Bonjour Sylvie Moula. La première question est celle de savoir, les Léopards vont jouer tout à l'heure leur qualification pour le quart de finale du CHAN Cameroun, tout à l'heure contre le Niger. Donc, dans quel état d'esprit êtes-vous présentement loin de vos poulains? Oui, ben, tout simplement, hein, on joue notre qualification aujourd'hui, c'est clair, net, précis. Donc c'est un match qu'on ne doit pas perdre, un match nul et surtout une victoire nous vont très bien. Donc on est dans l'esprit de se qualifier. Ce matin, j'ai appelé ceux qui sont à Douala pour leur dire tout ce qu'on attendait d'eux et pour les fortifier aussi, leur dire que il y en a 12 qui sont out, mais les 21 sont là et sont capables de nous ramener le résultat. Et faut pas commencer à penser à autre chose. On est là, on prend ses responsabilités. Donc, pas de pression, mais de la responsabilité, tout simplement. C'est très embêtant d'être très loin, mais on a décidé qu'on partirait en bloc, à 33, et que cette solidarité doit être jusqu'au bout. Ben voilà la preuve, il y en a qui peuvent pas être là, ceux qui sont là, doivent se donner aussi à fond pour ceux qui ne sont pas là. À quand la fin de cette situation? En d'autres termes, quand est-ce que vous allez retrouver votre équipe? Normalement, il y a un test qui est prévu pour demain. Donc, demain ou mercredi, mais on nous dit certainement demain. Si je suis négatif, ben, je vais retrouver le groupe tranquillement. Et naturellement. Comment ça se présente actuellement? Vous coachez à distance ou votre adjoint prend toutes les décisions avec les autres membres du staff? Non, en attendant, avec le staff, ça se passe très bien. On se parle chaque fois que c'est possible. J'ai intégré Rigo Moulop dans notre groupe, donc il me filme tous les entraînements. Il me les envoie, on analyse ensuite avec le staff et on continue à travailler ensemble. Le match précédent, j'ai fait la causerie d'avant-match. Ensuite, on s'est appelé au stade, on s'est appelé pendant la mi-temps et à la fin, donc on communique. Mais c'est pas le staff qui est là n'est pas petit. On a l'entraîneur de Mazembe, on a le traîneur de Maniema Inon est l'entraîneur le préparateur physique le meilleur du pays, plus l'entraîneur des gardiens. Ils sont suffisamment outillés pour pouvoir gérer un match. Donc, je m'inquiète pas de ce côté-là. On continue à travailler à distance, en confiance, et on va se qualifier. Merci, coach Ibengue, pour votre disponibilité et prompt rétablissement à vous. Merci à vous. En tout cas, on se soigne. C'est aussi l'occasion de rappeler que nous ne sommes pas les seuls à être touchés. Ici, on ne médiatise pas beaucoup, mais à ce que je crois, il y a 4 joueurs du Niger qui pourront pas participer non plus, même si nous,
Nous sommes plus nombreux, mais les autres sélections ne médiatisent peut-être pas, mais ils ont aussi des personnes atteintes. Mais je rappelle aussi que dans le monde, ça existe. Lorient n'a pas pu jouer son match dernièrement parce qu'il n'avait plus suffisamment d'effectifs. Claude Puel n'était pas sur le banc contre Lyon. Et l'un des meilleurs clubs du monde, pour pas froisser les clubs ennemis, le Real de Madrid, Zizou n'est pas sur le banc, il est atteint, donc on n'est pas à l'abri de ça. Ça veut dire tout simplement que la maladie existe, il faut qu'on continue à se protéger, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'attraper, mais elle existe, il ne faut pas nier. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ce lundi 25 janvier 2021 avec l'apparition de journaux selon une sélection et commentaire de Polydor Patrick Ngazia, mis place maintenant à la revue de presse. Motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Le sujet intéresse les journaux qui, dans leur livraison de ce lundi 25 janvier, y ont consacré leur manchette. Pour la République, il aura beau tergiverser. Ilunga Ilunkamba est tenu de ranger ses dossiers pour céder le trône à un successeur à désigner par la nouvelle majorité parlementaire déjà bien identifiée au niveau de l'informateur. C'est la fin des haricots, s'exclame le quotidien. Les carottes sont cuites pour le Premier ministre au PPRD, quel que soit le scénario, estime la République. Selon le contenu de la motion, il devra se présenter ce mardi 26 janvier à l'Assemblée nationale, mais il paraît ignorer l'invitation lui lancée, indique Africa News. En effet, arrivé dimanche à Lubumbashi, il devra être reçu par Joseph Kabila. Poursuit-il, le Premier ministre joue de la vie de son entourage, le gardien de la légalité. Et en allant à Lubumbashi, il a zappé la motion de défiance le visant, lit-on à la une du tri-hebdomadaire. Il s'en remet à Kabila, affiche aussi à sa une la prospérité. On le comprend mieux à travers sa phrase « Je pars à Lubumbashi pour une réunion avec son Excellence Joseph Kabila, autorité morale du FCC. C'est lui qui a proposé mon nom comme candidat Premier ministre, ce qui a permis ma nomination. » Sylvestre Ilunga n'a donc pas prévu de répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale, fait savoir le journal. Son séjour à Lubumbashi en est la preuve. Démissionnera, démissionnera pas, s'interroge Econews. En tout cas, poursuit-il, la motion de défiance donne la mesure. La confiance lui a été retirée. L'Assemblée nationale l'a désigné, ne lui fait plus confiance. Il ne lui reste qu'une seule option, démissionner. Et pour la tempête des tropiques, le gouvernement Ilunga Ilunkamba tombe ce mardi. La motion de censure déposée contre lui est signée par 301 députés nationaux et selon son initiateur, le député Chérubin Okende, il s'agit d'une procédure de contrôle parlementaire motivée par les mauvaises performances du gouvernement, notamment sur les plans sécuritaires, économiques et sociaux. Et pour justifier la légalité de la dite motion, indique Forum des As, le président du bureau d'âge, Mbosso Nkodiapuanga, brandit l'arrêt de la haute cour qui a autorisé que la prorogation sollicitée soit accordée et l'habilitation à gérer les affaires de l'Assemblée nationale donnée au bureau d'âge qui pourra ainsi convoquer une session extraordinaire non seulement pour vider le seul cas qui lui reste et organiser l'élection du nouveau bureau définitif, mais aussi pour exercer le contrôle parlementaire prévu à l'article 100 de la Constitution. L'Assemblée nationale ne perd donc aucune de ses prérogatives du fait de la déchéance des membres de son bureau. Enfin, le journal renseigne que la province du Nord-Ubangi peine à s'en sortir, ce qui le pousse à se demander à quoi aura servi le démembrement des provinces. Cette province manque en effet les routes des dessertes agricoles et réalise des maigres recettes qui sont loin de donner lieu à une projection pouvant le tirer du bourbier. Et s'il faut considérer que le Nord-Ubangi a réalisé des recettes de l'ordre de 23 millions de francs congolais en novembre 2020 et 13 millions en décembre, et qu'il faut 15 millions de francs congolais pour réaliser 1 km de route des dessertes agricoles, il y a lieu de se demander comment cette province sans industrie pourra-t-elle décoller. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Nous vous proposons de suivre le rappel des titres. Les léopards de la République démocratique du Congo négocient leur qualification ce lundi 25 janvier à Yaoundé face au MENA du Niger pour la dernière journée de phase de poule dans le groupe B au Chan Cameroun 2020. Deux ans de Félix Tshisekedi au pouvoir, le bilan est mitigé selon les Kinois interrogés par nos reporters. Les Congolais ne ressentent pas un changement côté social. Célébration de la Journée mondiale de l'éducation, cette journée se déroule dans un contexte particulier. Les écoles et universités sont fermées dans plusieurs pays à cause du Covid-19. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Ne manquez pas le rendez-vous de 7h30. C'est demain avec José Moussangana qui sera là à 10h et à 12h. Et Patricia Molengo-Mbolekuni vous présentera la grande Et Patricia Molengo-Mbolekuni vous présentera à 16h le journal en Lingala. Portez-vous bien et au revoir.